Donc nous sommes là au cœur de mon territoire de Rollier et je vais vous donner quelques explications sur la réalisation de mon installation. Voilà, donc vous voyez ici contre le mur de ce mas un nichoir. Donc ce nichoir fait partie des 6 nichoirs que j'ai installés dans le secteur il y a 6 ans. Ce fut un des premiers nichoirs que j'y ai installé. À ma grande surprise, dès la première année, ce nichoir a été occupé par un couple de Rolliers qui a ensuite élevé ses jeunes avec succès. J'ai tout simplement réalisé un déplacement du nichoir de façon à ce que, en le déplaçant de 2 mètres, il se retrouve contre ce volet fermé. J'ai donc décroché ce nichoir ici à gauche, qui était installé contre le mur, et je vais installer contre ce volet, donc qui est à 2 mètres à droite de l'endroit où était installé le nichoir précédemment, je vais installer en fait la façade d'un nichoir du même type. Donc l'idée en fait c'est de percer un trou, là j'ai déjà pré-percé dans le volet, de poser contre le volet cette façade à droite de nichoir, et à l'intérieur du volet fermé, d'installer une boîte qui servira à accueillir, s'ils le veulent bien, le couple de Rolliers qui pourra ensuite l'utiliser pour élever sa progéniture. Voilà, donc l'idée de cette façade posée contre le volet, c'est de donner l'impression au couple de Rolliers, en fait, de pénétrer dans le même nichoir que l'année précédente. Donc à l'intérieur du volet, j'ai posé cette boîte qui va servir de nichoir pour les Rolliers, avec sur sa face arrière une vitre. Bon, voilà, bien entendu, les observations se feront les volets clos, la pièce plongée dans l'obscurité. Lorsque l'adulte entre dans le nichoir, il masque la lumière extérieure et l'on se rend mieux compte que la pièce, en l'absence de cette lumière, est plongée dans l'obscurité. À ma grande surprise, à l'issue d'une série de tests progressifs, je me suis rendu compte que l'utilisation d'un système de flash annulaire réglé au 128e de sa puissance ne dérangeait pas les oiseaux.